Quelle grande star s'est fait refuser l'entrée d'une boîte parisienne? La toile est en émoi. Cette semaine, une star planétaire de la musique américaine s'est vue refuser l'entrée d'une boîte de nuit parisienne sous prétexte que ses chaussures étaient « trop légères ». Un énorme bad buzz pour l'établissement qui cherche désormais à recoller les morceaux. La définition même du bad buzz. Cette semaine, alors qu'elle venait de se produire sur la mythique scène de l'Olympia, la chanteuse américaine Joan Baez a décidé de profiter de la vie nocturne parisienne en compagnie d'un ami. L'ex-complice de Bob Dylan, elle-même idole des années 60, se rend alors dans le 11e arrondissement parisien, au club Le Pachamama, où, contre toute attente, elle se voit refuser l'entrée. Ses chaussures sont jugées « trop légères », plutôt que de provoquer un scandale, Joan Baez prend cette annonce sur le ton de la rigolade. En digne héritière de l'idéologie peace. Devinez quoi, demande-t-elle à ses followers, j'étais avec un ami après mon 8e Olympia. On voulait aller danser au très chic Pachamama à Bastille, mais on nous a refusé l'entrée à cause de mes chaussures. Quelques lignes qu'elle conclut alors avec une touche d'humour bien à elle, pour une fois que je portais des chaussures. En quelques instants, la nouvelle se propage sur la toile comme une traînée de poudre. Comment un établissement parisien a-t-il pu refuser l'entrée à cette légende de la musique folk? Les insultes pleuvent, les menaces également. Plusieurs internautes annoncent clairement qu'ils ne « remettront jamais les pieds au Pachamama ». Le bad buzz prend rapidement une telle ampleur que l'établissement publie des excuses publiques, assurant que le portier n'a pas reconnu la star et que la chanteuse n'avait pas annoncé son arrivée au préalable. Entre-temps, le directeur général adjoint du Pachamama s'est à son tour exprimé. Friedrich Hartwig, ou Arlen selon les sources, explique que des raisons de sécurité poussent les vigiles à refuser l'entrée aux personnes portant des chaussures trop légères. L'homme présente cependant ses excuses et publie même la capture d'écran d'un message envoyé à Joan Baez, dans lequel il invite l'artiste à venir passer une soirée dans l'établissement lors de son prochain passage dans la capitale. Joan Baez, aussi douce qu'à l'accoutumée, assure ne pas avoir voulu créer d'ennui au Pachamama et souhaite même au club beaucoup de réussite à l'avenir. La grande classe. Guess what? He was with a friend after my 8th Olympia concert in Paris. We wanted to go dancing at the posh Pachamama club in Bastille but were refused entrance because of my shoes. For once I was wearing shoes. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site, Joan Baez.